crois que je suis travers. Et, ok, c'est bon. Si je suis travers, j'ai le seum. Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous faire une vidéo try and all back to school chain. Dans cette vidéo, du coup, je vais vous montrer quelques idées de fournitures scolaires ou aussi de vêtements, tout simplement pour vous créer quelques tenues potentiellement. Avant de commencer la vidéo, je vous invite tout de suite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux si c'est toujours pas fait, parce que quand je suis pas active sur YouTube, je suis active sur Instagram, sur TikTok et sur mon Vinted. Maintenant que vous m'avez follow, on peut commencer la vidéo. Tout d'abord, je vais vous montrer d'abord les fournitures scolaires que je peux vous proposer. Il n'y a pas que des fournitures scolaires aussi, mais il y a genre des petits objets, enfin voilà, des titres bredouilles. Je sais plus comment on dit. Voilà. Et après, je vais vous montrer entre les novels, les habits. Let's go! Donc, en premier, vraiment mes coups de cœur de ce que j'ai commandé. Ah. Ok, je galère un peu. C'est des petites pinces comme ça. Elles sont trop belles. Donc, moi, je les ai eues en couleur pastel. Je crois que j'ai pris le mode aléatoire. Du coup, c'est pas sûr que vous les aurez en pastel. Mais de toute façon, ils en proposent dans différents styles. Donc, voilà, c'est juste des grosses pinces comme ça. Super pratique si en plus vous avez les cheveux épais comme moi. Genre, après, vous avez juste à faire un espèce de chignon. Et hop, vous êtes. Relax. Tâchez, genre, piou-piou. Voilà, hop, tranquillou, piou. Là aussi, un espèce de marron gris. Non, c'est du marron, c'est pas du gris. Ça c'est du vert, après il y a du rose et du gris, du vrai gris cette fois-ci. Et voilà, franchement elles sont trop bien, elles sont super pratiques. Et niveau qualité, franchement pour l'instant elles sont pas cassées, ça fait un mois que je les ai. Donc voilà, je suis trop contente. Donc au niveau des fournitures scolaires cette fois-ci, donc j'ai pris un petit, une espèce de mini cahier, genre c'est pas trop un bloc-notes, c'est un mini cahier. Comme ceci, voilà, en format C. Donc le seul problème, c'est que je l'ai reçu, il était un peu tordu. Genre là, on voit qu'il est un peu toujours tordu. Mais après, si vous mettez sous deux classeurs pendant un certain moment, normalement ça va, il s'aplatit. Par contre, vraiment, genre, c'est trop cool. J'aime bien les petits carreaux comme ça, franchement ça va, genre ça fait bien pour le bloc-notes et tout. Je pense que je vais m'en servir pour réviser le code, puisque j'arrive pas à prendre le code, du coup je le révise comme... quand je révise un contrôle, t'as vu. Après, on a là un espèce de mini trieur pour, si vous êtes étudiant, logiquement, vous pourrez ranger potentiellement des mini fiches, genre des fiches de révision, etc. Ou des petites notes à vous. Ou alors, si vous êtes adulte, ma mère m'a dit c'est bien pour le courrier. Bon, il est trop beau, j'aime bien. Ensuite, quelque chose de hyper pratique, des blancos. Donc, sur Shein, ils vous en proposent comme ça, un lot de... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 blancos qui marchent réellement d'ailleurs. Bon par contre ils sont tout petits, genre c'est trop mignon. Pour l'instant en tout cas ils marchent, j'ai testé, ils marchent, y'a aucun souci. Genre pour l'instant je ne suis pas en panne de blancos. Donc voilà, franchement trop pratique parce qu'ils coûtent genre vraiment pas cher. Alors que dans les supermarchés ça coûte vraiment une blinde. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir reçu ça. Franchement c'est super pratique pour les cours parce que les blancos franchement personnellement j'en utilise très souvent. Donc voilà, c'est trop pratique, je suis trop contente. Étant donné que personnellement, je passe en terminale cette année, je vais donc avoir le bac. Donc, un petit classeur pour des fiches de révision, c'est vraiment ce qu'il me fallait. Et celui-là, franchement, il est trop bien. Il est juste tout simplement souple. Et je vais vous montrer comment il est un peu. Bah, il est juste transparent, violet, avec des paillettes comme ça. Et à l'intérieur, vous avez des anneaux. Et enfin, vraiment, c'est pile la taille pour les fiches de révision. Donc voilà, je suis trop contente, franchement c'est hyper pratique. Ensuite, pour la décoration de ma chambre, j'ai pris des espèces de petites cartes postales comme ça. Là on peut voir que c'est des cartes postales. Et en fait, il y a vraiment plein de de dessins, genre je sais pas trop ce que c'est. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais genre c'est des cartes postales quoi. Et j'aime bien le mood, faut vraiment, genre j'aime bien l'ambiance, la vibe, les petits papillons comme ça et tout. Après je vais en mettre un peu partout sur mon mur. J'essayais de compléter un peu mes murs, voilà. Comme un peu sur Pinterest, j'aime trop ce genre d'inspiration. Je pense que je vais même en mettre sur ma
sur ma porte, genre c'est trop beau. Donc voilà, franchement, il y a tout ça, genre il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Et ils sont pas minuscules. Je me suis dit, allez, comment dire, à tout moment, je vais recevoir ces minuscules comme ça, tu sais. En fait, non, c'est vraiment des vraies cartes postales comme ça, vraie forme. Enfin, vraiment, la taille, elle est parfaite, j'aime trop. Voilà, je suis trop, trop contente d'avoir reçu ça aussi. Ensuite, j'ai reçu des faux ongles, donc j'ai essayé de les mettre. Le problème, c'est qu'en fait, les deux index, ils faisaient que tomber. Et comme je me sers beaucoup de mes index, apparemment. Bah du coup il y a tout qui tombe, genre ils sont tombés au bout de 2 secondes parce qu'en fait c'est pas de la colle, c'est de l'adhésif. Après si c'est la colle, je pense que ça marchera beaucoup mieux, ça tiendra beaucoup mieux. Parce que vraiment ils sont trop trop beaux et ils marchent super, enfin en fait c'est pas qu'ils marchent super, genre enfin je sais pas comment dire. Quand vous mettez sur vos ongles, genre ça fait ongles naturels, c'est pas ça, ça fait pas vraiment faux ongles. J'essaie de vous montrer un peu, voilà, tout c'est du transparent violet. C'était vraiment inspiration Pinterest, donc là on a le pouce et un bout d'index. Donc voilà, perso je vais essayer d'acheter de la colle et je vous en dirai plus, mais voilà, pour l'instant ça ne marche pas, voilà. On a ce jean baggy, super streetwear, j'adore le bleu, je l'ai déjà eu en noir et j'avais vraiment adoré, j'adore la forme du jean, il est incroyable, il est large, pour l'hiver il va se tenir super chaud et franchement il fait un super flow, vraiment j'adore le style qu'on peut avoir avec, j'adore, c'est vraiment mon style, j'adore ça. Voilà, donc vraiment le jean est parfait, j'adore la qualité, j'adore la matière, il est super doux, j'adore le style, j'aime bien la forme et j'adore aussi la couleur. J'adore la forme et le style de ce short, il est super sympa, vraiment c'est un Bermuda assez long, j'aime bien la coupe, il est franchement super bien, il taille très bien au niveau de la taille, personnellement j'ai pris en XS, voilà moi j'adore, franchement c'est un 32, il taille super bien. Après pour les détails j'aime bien parce qu'en fait ça fait assez vintage avec toutes les poches comme ça, enfin franchement j'aime bien, ça change vraiment du style de d'habitude des shorts qu'on peut voir assez basiques généralement, l'été on voit souvent des shorts bleus et là je trouve qu'on peut un peu se démarquer avec ce short, donc c'est pour ça que je l'adore en fait, il est trop bien. Franchement j'adore ce petit top marron avec la légère dentelle là, elle est super jolie, j'adore le style. Franchement, je ne porte jamais cette forme de haut, mais là, franchement, j'aime bien. Je trouve ça assez mignon, j'aime bien le style. Et je trouve aussi que ça va super bien avec ce short bleu. Aussi un Bermuda, également comme la même forme que l'autre. J'adore. Franchement, j'adore. Enfin, il est basique, mais j'aime bien la coupe. Elle est sympa. J'adore qu'à la fin, ça fait c'est un peu jean déchiré quand même. Et voilà, franchement, j'adore. Pour l'été, c'est super cool cet ensemble. Alors, petite anecdote pour ce petit haut, de base je l'avais commandé en blanc mais malheureusement je ne sais pas d'où comment je l'ai reçu en bleu marine. Sauf qu'au final j'adore la couleur, voilà ça change vraiment de ce que je peux porter habituellement, c'est vrai qu'en haut je ne porte pas forcément de bleu marine. Ensuite pour le pantalon, alors de base je devais le recevoir au cas où c'était en rupture de stock, du coup voilà, donc c'est un mélange en fait de pantalon cargo mais en même temps parachute. Franchement j'aime bien le style, voilà. Bon après avec ce petit haut en fait je trouve que ça va pas si bien. Mais après franchement j'aime bien le style du pantalon, j'aime bien le fait que vraiment ça fasse cargo mais aussi parachute. Et on est trop trop bien dedans parce que vraiment il est hyper large et en fait vous pouvez le serrer vraiment comme vous voulez. La matière franchement elle est toute douce, j'adore. Et la couleur elle fait un peu blanc mais un peu blanc crème, beige et j'adore. Vraiment il est super cool le pantalon. Ensuite on a ce jean que j'adore, j'adore la forme, ça fait un peu pas de def, super large à la fin et j'adore, je me sens trop trop bien dedans. La couleur j'aime bien aussi parce que le kaki c'est une couleur que je ne porte pas spécialement en fait, donc c'est pour ça que je trouve que c'est cool vraiment de pouvoir sortir de sa zone de confort quand on le souhaite. Et voilà je suis trop contente, franchement il est super beau, j'adore le détail avec les poches, ouais vraiment j'adore, franchement il est trop trop bien, ça fait un peu style équitation j'avoue, mais franchement j'adore, ça fait très Y2K, je kiffe. Ok donc là c'est vraiment mon gros gros coup de cœur de ce que j'ai reçu, j'adore, vraiment c'est vraiment mon style de ouf, le streetwear de cette façon, très large, très très confortable, enfin vraiment la tenue, elle peut être belle dans toutes les situations avec ce pantalon, enfin, franchement j'adore, j'en trouvais pas du tout sur en brocante, sur vintage et tout, vraiment j'avais cherché mais c'était pas du tout dans mes prix, en fait c'était pas du tout abordable, j'avais pas envie d'être 60€ dans un pantalon, je suis pas un mouton à ce point quoi, donc voilà, moi j'adore, franchement il est trop trop bien, il est trop beau, j'adore le pantalon parachute comme ça, j'adore vraiment, ma copine aussi kiffe, voilà, vraiment, moi c'est le piquage 24 quoi, j'adore. Ok donc ça c'est vraiment une tenue
grave inspiré de Pinterest. Je pense que vous l'avez remarqué si vous êtes un peu dans le même style que moi, streetwear, Y2K, etc. Parce que le pull en maille, on le voit vraiment de partout et j'en voulais trop un, je trouve ça trop beau. Du coup voilà, je l'ai pris, il est magnifique, j'adore. Vraiment, il est incroyable. Le blanc, il est trop bien. Franchement, il tient. Genre en vrai, de vrai, il tient chaud. Genre vraiment, la matière, elle est trop bien et tout. J'adore. Franchement, il est trop beau, j'adore. C'est très Pinterest. Et pour le pantalon parachute blanc aussi, il est incroyable. Franchement, il va trop bien avec le pull. Les deux ensemble, ils s'accordent trop bien, j'adore. Dans le pantalon parachute, par contre, on a vraiment l'impression d'être en pyjama. Le pantalon pyjama, vraiment. Parce qu'en fait, il est tellement large et le coton est tellement doux que vraiment, t'as l'impression d'être dans un pyjama. Et j'adore, vraiment, on est trop confortable dedans. Franchement, la tenue, elle est trop belle et t'es trop confortable dedans. J'ai trop hâte de pouvoir la porter en hiver. Et voilà tout le monde, cette vidéo est enfin terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à commenter pour donner ton avis et à t'abonner si c'est toujours pas fait. N'hésite pas également à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux tels que Instagram, TikTok et Vinted, parce que quand je suis pas active sur YouTube, je suis active sur tous ces réseaux sociaux. Voilà, sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous! Thank you.